Avec toute la technologie disponible, il devient de plus en plus difficile de tricher au football et les joueurs doivent faire preuve d'une grande imagination pour tromper leurs adversaires. Des simulations scandaleuses au but très suspect, voici 30 moments où des footballeurs se sont fait surprendre en train de tricher. Kylian Mbappé a fait semblant de marquer de la tête. Oh oui, c'est roulé, c'est... Oh oui, c'est de la main. Ah, il semblait bien sur cette action. Non, ah ouais. Non, évidemment, et carton, et carton jaune. Jordi Alba a complètement raté son tir et puis a fait semblant d'être taclé en demandant un penalty. Roulé par terre pendant le match qu'il n'en a couru. Ce joueur rendait le ballon au ramasseur de balles pour perdre du temps et prétendait que c'était parce qu'il ne le recevait pas dans ses mains. Probablement trop énervé d'être tombé, Mbappé a tenté de marquer de la main. Connaissez-vous ce club qui a triché en utilisant du gazon de très mauvaise qualité contre Barcelone? Si, era imposible jugar al fútbol en el punto de penalti prácticamente como lavabotes, como si hubiera muchos, bueno, no sé, conejeras ahí o topos. Era imposible realmente hacer pases de precisión y jugar bien al fútbol. No se podía circular el balón, los jugadores corrían riesgo de lesión como en algunos momentos había... Suárez a sauvé son pays en Coupe du Monde avec cette main scandaleuse sur la ligne. Ce joueur a shoté le point de pénalty et Ronaldo n'a pas aimé ça. Ce gardien de but a ridiculement fait semblant d'être blessé pour perdre du temps mais a continué à jouer après. Robben écope d'un penalty pour cet incroyable plongeon. Ce joueur a simulé une chute en espérant que le gardien aurait sauté plus tôt. Sadio Mané a poussé Lukaku hors jeu pour que le but soit annulé. Ce gardien a écrit sur sa bouteille où les attaquants tirent habituellement et a gagné le match grâce à ça. Neymar a eu un contact avec un joueur et a fait semblant de s'envoler. Ce mec a oublié qu'il n'était pas gardien. Ronaldo a reçu un petit coup dans le cou mais a fait semblant d'être frappé au visage. Bruno Fernandes ne voulait pas suivre les règles du fair play et est allé marquer. Bruno Fernandes has nicked it away and is charging forward and has put the ball in the back of the net. But it's a... Ce joueur a fait un saut incroyable pour sauver son équipe. Voilà ce que Benteke a fait à la dernière minute du match, ce qui a offert la victoire à son équipe. Verratti a marqué pendant que le gardien surveillait un joueur blessé. Busquets a arrêté l'attaque avec un deuxième ballon qui était sur le terrain. Regardez ce que Lehmann a fait pour perdre du temps. Jens Lehmann up to his tracks now. See, it's funny that how it's okay for one team to do it.
Alexis Sanchez a décidé d'agacer son adversaire qui ne l'a pas très bien pris. Sterling a tenté d'obtenir un penalty, mais l'arbitre l'a surpris en train de tricher. Suarez tenait le bras de son adversaire et prétendait qu'il avait fait la faute. Ronaldo a fait semblant d'être poussé dans la surface de réparation, son adversaire a reçu un carton jaune et Cristiano a obtenu un penalty. David Luiz pensait qu'il était l'arbitre et a déplacé la ligne de spray. Si vous voulez regarder d'autres vidéos de sport incroyables, cliquez à droite.